On devait avoir un bon équilibre en Autriche. On espère en avoir un aussi bon ici. La voiture a un peu évolué. Voyons voir ce que donne le chrono de cette Q1. Alors j'ai un peu de mal, hein. Dans les essais libres, ça s'est déjà mis plusieurs fois en vrac. Notamment ici. Je ne m'en sors pas avec ce virage. J'ai un sous-virage du feu de Dieu et je perds énormément de temps dans ce virage 4. Très complexe pour moi. Alors je suis un peu rattrapé par la qualité de la voiture, mais attention tout de même. J'ai beau régler l'auto, le sous-virage est omniprésent. Et le transfert des charges rend les choses vraiment compliquées. Sortie de le field, on est bien. Est-ce que je vais réussir à prendre Cops pied à fond? Oui, on y est. On reste dans les track limits, hein. On est toujours deux roues sur le vibreur. My God, Beckett. Je suis à deux doigts de décrocher le train arrière là. C'est loin d'être mon meilleur passage du week-end. Sortie vers la ligne droite des hangars. Ah, je la sens fragile, cette auto. Toujours aussi incisif, trop même sur les freins. Mais pour remettre la répartition de freins sur l'arrière, ça change pas grand-chose. Ah, mes complications. Je pourrais être beaucoup plus fluide, hein, que ce que je ne suis. Et au Delta, eh bien écoutez, on est 5e à 4 dixièmes de la voiture la plus rapide qui doit être celle de Pierre. Et non, la voiture la plus rapide de cette Q1 n'est pas une Toyota, mais bien une Red Bull, celle d'Alexander Albon, le Thaïlandais qui se réveille puisque Verstappen est un peu plus loin. Alors ça n'est que la Q1 bien évidemment. Et les éliminés, une Alpine, une Williams, les deux Haas et les deux Alpha. Romeo, attention, c'est compliqué quand même là avec Ricciardo 13e et Leclerc 10e. Alors il y a du trafic, mais on est en toute fin de Q2 avec les pneus médium. On voit Romain Grosjean qui est pas mal sur l'AlphaTauri 12e. Russell est devant nous. En tout cas dans le classement, puisque c'est, je crois même, Romain hein, sur l'AlphaTauri qui est juste en train de nous précéder. On va déclencher ce chrono et voir un petit peu ce que l'équilibre de l'auto a à nous offrir dans le premier partiel. C'est bien, c'est très très bien pour le moment. Voiture bien équilibrée. Je suis concentré hein, pour le passage dans le field. Et on a l'aspi hein, de l'AlphaTauri. C'est bête, mais ça marche bien. Rester en 8e dans Cops. La voiture talonne, mais elle tient. Attention, elle est un peu large dans ce virage. Ça va pas être déventé. Énormément d'étincelles. Hein. Sous l'AlphaTauri. Oh, on est sous. Oh là 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 là. Ah là 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 là, on a été gêné. Ça peut être la fin de tous nos espoirs, cette erreur. Meilleur tour d'Albon. C'est pas trop grave. Nous, on doit être dans le top 10. Le reste, on s'en fiche. Faut juste qu'on soit suffisamment bon. Alors que le tour soit validé, c'est une chose. Mais qu'il soit assez rapide, c'en est une autre. Ouais, P3. Ouh. Alors, on est passé à gauche du panneau DRS. Alors, Albon est toujours le plus rapide, mais en pneu tendre, on sera en médium, tout comme Hamilton sur la Mercedes. Et ensuite, eh bien, les autres seront en tendre. Donc, stratégie intéressante aux avant-postes parmi les éliminés. La Aston Martin de Lance Stroll, Max Verstappen, qui n'a pas fait fonctionner son pari des médiums. Esteban Ocon sur l'Alpine, Norris sur la McLaren, Bottas également piégé avec les médiums, et enfin Ricciardo sur la Ferrari. 2 minutes 20 avant la fin de la séance de la Q3, on a rechaussé les gommes à bande rouge pour être le plus rapide et aller chasser cette pole position. Ça va être compliqué hein, face à Albon qui a fait le meilleur temps de quasiment toutes les séances. Le Thaïlandais a l'air d'avoir quelque chose en plus dans sa Red Bull et en l'absence de Verstappen, il doit absolument mener la barre pour l'équipe autrichienne. On va voir ce qu'on peut faire de notre côté. Alors, ça se passe. Hop! Petit avantage quand même. DRS qui a ripé. Pas parfait ce tour pour l'instant.
Ah, tant pis, hein. À ce stade-ci de la saison, je peux commencer à taper dans la mécanique. Ça va, ça passe. C'était tout juste le sous-virage dans Cops. Il faudra être tout aussi vigilant. Je dois vraiment soulager alors que je devrais être en train de réaccélérer avant la ligne droite des hangars. On attaque Stowe. Et meilleur tour, 1-24. J'étais trop concentré, j'ai même pas réfléchi au passage de la ligne. Je continue mon tour. Pour l'instant, on est le plus rapide, mais pour combien de temps? Pierre Gasly aura donc été le plus rapide et de manière bien autoritaire sur Hamilton, qui part donc en médium lui aussi. Nous aussi, troisième, et Albon, quatrième. Donc une partie de grille intéressante pour les avant-postes. Ensuite, Sainz, Perez, Leclerc, et la bonne surprise, eh bien elle est là, les amis, avec deux Britanniques inattendus, à part Hamilton bien sûr, Jack Aitken sur l'AlphaTauri qui est en 8ème position, et George Russell 9ème sur la Williams, ainsi que Romain Grosjean 10ème. Bref, cette Q3 s'annonce, on ne peut plus relever, hein, avec des voitures qui fonctionnent bien. Pour la suite, il faudra attendre le départ du Grand Prix dimanche. Bienvenue sur le mythique circuit de Silverstone pour le Grand Prix du jour. Avec ses 5,7 km, le circuit de Silverstone est l'un des plus longs du calendrier. Le tracé actuel comporte 18 virages. Avec une vitesse moyenne d'environ 230 km/h, il s'agit aussi de l'une des pistes les plus rapides de l'année. Il faudra suivre de près les voitures passant à fond les virages à droite d'Abbey et de Copse. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Nicolas Martin. Bon, parlons un peu du capitaine. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant? Ils ont évité les erreurs et ils ont un bon rythme. Dans l'ensemble, ils font une belle saison. Reste à savoir s'ils seront capables de maintenir ce résultat à long terme. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Pierre Gasly part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons le capitaine, Albon, Carlos Sainz et Perez, Leclerc, Aitken, Russell et Romain Grosjean, Stroll, Verstappen, Esteban Ocon et Norris, Bottas, Ricciardo, Daniel Kvyat et Guan Yu Zhou, Magnussen, Giovinazzi, Latifi et Nyck de Vries. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Everything looks good on the power unit cycle, so let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Vous l'avez vu, notre objectif est de rester dans le groupe des pneus médiums, hein, avec Hamilton devant nous et Gasly derrière. Albon et Sainz sont en tendre. Pour le reste des pilotes du top 10, ce seront des pneus tendres. Et derrière, eh bien Bottas et les autres ont pu rechanger de com. Donc je ne sais pas où on en est à ce niveau-là. Par contre, pour nous, eh bien il va falloir être absolument impeccable au moment de prendre le premier virage. On ne peut pas avoir droit à une sortie, un abandon ou, je ne sais pas moi, un contact, de quoi nous ralentir dans notre démarche. Parce que sincèrement, là, tout est en notre possession pour aller faire un beau résultat. Alors évidemment, la lutte au championnat, elle est face à Pierre, elle est face à Gasly. Mais il ne faut pas oublier non plus les autres. Malgré tout, les choses vont vite, un abandon et on rebat les cartes pour tout le monde. Donc la saison est loin d'être finie, les titres sont loin d'avoir été attribués. On peut avoir un regain de Mercedes au niveau du développement parce qu'on ne développe pas tant que ça finalement. Les points qu'on récupère le vendredi, c'est 1000 points. Et pour avoir une évolution, il en faut 2000 désormais. Donc voilà, à moins de faire un week-end quasiment parfait, difficile d'entrevoir le bout du tunnel tous les Grands Prix. Donc on va voir aussi, une fois que Pierre aura re-signé son contrat à la fin de cette épreuve britannique, eh bien si jamais... on va pouvoir réinvestir ou pas dans certaines unités de développement pour la fin de cette dernière saison. Et toujours ces foutus fantômes, hein, à la fin
du tour. On ne perd pas de vue non plus Carlos Sainz qui n'est pas loin. Il y a les Ferrari de Leclerc aussi et de Ricciardo qui sont un outsider. Bien sûr, la Williams de George Russell. Bref, on attend beaucoup de monde. On est à domicile pour de nombreuses équipes et de nombreux pilotes. Il faut donc être vigilant. Certains vont vouloir en découdre rapidement. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Tout est en place. La procédure de départ peut être lancée. Le début de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Un excellent départ. On va chercher Hamilton qui s'est un petit peu loupé. Oh, il y a même Albon qui est passé en troisième position. Très bon départ de la part des deux Toyota. Et on reste vigilant sur la suite de ce premier tour, pas de drapeau jaune pour l'instant, on est sage derrière. Nous on a des problèmes de motricité hein, comme depuis le début du week-end. Attention Alexander Albon qui n'est vraiment pas loin du tout. Le pilote Red Bull qui parvient à nous dépasser. On essaie d'aller rechercher mais on ne peut pas croiser dans le field. Mauvais départ pour nous, on a perdu cette deuxième place qu'on venait de shipper à Hamilton. On nous demande de focus, on va essayer. Faut gérer hein. Ce début de Grand Prix. Très compliqué avec des médiums face à Albon, qui lui est entendre tout neuf. Ou du moins, en tout aussi bonne forme que les nôtres. Il y en a pas mal hein, par rapport à la Red Bull. Et on va aller chercher le Thaïlandais dans cette manœuvre. Dans Stowe, côte à côte toujours, il a pas lâché, il veut pas lâcher. Bon, attention Alexander Albon qui lui n'a pas tant que ça à perdre. Tandis que Gasly vient de monter son avance à quasiment 2 secondes 9. Et on passe pour la deuxième fois devant les stands de ce Grand Prix de Silverstone. Il y aura à retenir le mauvais départ d'Hamilton qui se rachète, qui touche Alexander Albon. Oh, Alexander Albon qui a été taclé par Hamilton. Oh là 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 là. Alors est-ce que Lewis a des dégâts? 5 secondes de pénalité pour Lewis Hamilton. Alors on doit récupérer un peu notre Delta, voiture de sécurité déployée. On va donc rejoindre Pierre. On économise le carburant. On va voir ce qui s'est passé du côté d'Alexander Albon. On nous propose une autre stratégie. Et on pensait passer entendre au cinquième tour de course ou au deuxième. Pas certain que les tendres tiennent autant de temps. Attention à ne pas prendre de pénalité. On a donc Hamilton derrière nous qui a pris 5 secondes pour avoir littéralement mis hors de la piste Alexander Albon. Eh bien écoutez, on va se retrouver au moment du restart pendant cette procédure de safety car en espérant que personne ne rentre pour ne pas fausser les stratégies. En tout cas Hamilton derrière, 5 secondes, ce sera pendant l'arrêt au stand, hein, pas à la fin de sa course. Donc on peut considérer pour l'instant que la voiture qui est en 3ème position, c'est la voiture, oh là là, la voiture de Sainz. Et retour au stand des pilotes qui étaient en pneu médium. Ça c'est une surprise. Hamilton et Pierre sont dans les stands. Ce sont les seuls à avoir opté pour cette stratégie. Surprenant, très surprenant même, de la part de mes petits camarades. Mais voilà, du coup, on reste un peu plus ensemble. On va rejoindre le pace car. Oh, que c'est bien joué. Alors, est-ce qu'on va nous aussi prendre le risque de faire la même chose? Et voilà le pace car. Alors, est-ce que ça vaudrait la peine maintenant d'aller monter des pneus durs au niveau stratégique ou des pneus tendres? Après, voilà, stratégiquement, là, Hamilton est capable de revenir tout comme Pierre. Mais bon, écoutez, ça me paraît très compliqué. Ça me paraît très compliqué, sachant qu'on peut dépasser, mais que c'est pas exceptionnel non plus. Donc, deux choix tactiques s'offrent à moi. Rentrer à la fin de ce tour. Et Jeff qui insiste à la stratégie. Eh bien, on va rentrer, monter des pneus tendres. Et on va essayer d'aller au bout de ce Grand Prix de Silverstone.
Ah, on aurait peut-être dû suivre, mais on aurait de toute façon été gêné. Ça n'aurait pas changé grand-chose stratégiquement. Voilà que Gasly et Hamilton rejoignent à leur tour le peloton. Et on met la pression hein, sur Bermeylander. Là, on doit absolument aller jusque dans la pit lane le plus vite possible, en respectant évidemment la vitesse en vigueur. Allez, il faut qu'on puisse plonger dans cette voie des stands. Et on se retrouve dans la pit lane, qui est plus court. Donc on va quand même repartir dernier. Et on va faire notre mandatory pit stop sans personne d'autre. C'est un petit peu risqué, je vous l'avoue. Mais bon, on est les seuls à être dans cette stratégie avec les autres voitures. Donc on va aller les rejoindre, on va se mettre derrière. Mais on aura des tours en moins à faire avec ces pneus tendres. Et ça repart. Mais écoutez, on va rejoindre le peloton, certes dernier, mais avec des pneus un tour plus frais que ceux de nos adversaires directs. Donc très intéressante situation pour nous. Et on ne doit plus rentrer. Et ce sont évidemment des pneus tendres neufs qui nous ont attendus dans les stands. Safety car is in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Alors la relance, c'est pour la fin de ce quatrième tour de course. Il faudra être vigilant. On gêne un peu Lewis, cette bonne guerre. Attention à cette chaîne de safety car à ne pas louper. On passe la ligne et on repart. C'est parti pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne. On relance la machine avec en tête une McLaren devant une Alpine. Et on va essayer d'utiliser le bouton overtake pour aller chercher nos adversaires. On a des pneus les plus frais et les plus rapides de l'entièreté du peloton. C'est maintenant qu'on va devoir s'en servir. Et on n'est pas les seuls à vouloir en découdre. Pierre qui passe à l'attaque pour doubler le néerlandais Nyck de Vries sur l'Alfa Romeo. Est-ce qu'on peut nous aussi jouer un petit peu notre va-tout dans cette situation? C'est compliqué hein, de prendre le dessus à l'épingle de Lefield. On a tous évidemment économisé. Il n'y a pas vraiment d'avantage pour l'instant au niveau consommation. Attention au niveau des pneumatiques là aussi. Bien gérer cette usure. De Vries qui nous retient avec Hamilton. Pierre qui est en train d'aller chercher une Haas. Il n'a pas le temps, hein, Pierre. Nous non plus. On rappelle qu'il y a deux tours avant d'aller chercher le DRS. On passe en tenaille l'Alfa Romeo. Et on en profite pour prendre le dessus sur Lewis Hamilton. Pas de retour au stand dans la fin de ce 4 et 5e tour de course. On ne peut pas aller chercher la Haas. Hamilton n'était pas loin derrière quand même. On va être vigilant sur la consommation de l'ERS. On est avec Latifi et Magnussen là, qui se suivent comme leur ombre. On va décaler par rapport aux Danois. Et on va prendre hop, l'avantage. Hamilton aussi hein. Hamilton qui est pas loin. Pierre qui va très très vite hein, dans les dépassements. Très impressionnant. Donc devant, je disais, on avait une McLaren aux avant-postes. Attention de pas non plus flinguer la gomme hein, dans ces situations. Très belle accélération. À Woodcote, on va essayer d'aller chercher à Cops. Et on passe la Haas. Bien meilleur en châssis, bien sûr. Pierre, une seconde 6 devant nous avec encore des dépassements à faire. Il y en aura hein, dans ce Grand Prix d'Angleterre. On ne s'est pas donné la stratégie la plus simple. C'est vrai que si on était parti avec, comme d'habitude, les pneus tendres, on aurait pu en profiter de rentrer sous safety car et d'avoir des médiums maintenant, mais on n'aurait pas cette aisance par rapport aux autres voitures. Viat avec l'Alpine sous la menace de Pierre. Par là de la 15e position, toujours pas de retour au stand. On a toujours une McLaren, deux McLaren quasiment. Ouais, deux McLaren en tête presque. Avoir une Aston Martin qui traîne dans le tas. En tout cas, ce qui nous intéresse pour le moment,
C'est cette capacité à aller rechercher les voitures devant nous. Pierre qui passe à l'attaque. Faut pas que Pierre ait un accident. Hein. Ce serait catastrophique pour le championnat que l'une des deux voitures de l'équipe Toyota soit accidentée. L'Alpine de Kvyat qui est notre prochain objectif désormais. Yann Williams devant Pierre. Je crois que c'est Latifi qui derrière est toujours là. Oui, De Vries hein, qui a passé la Haas de Magnussen. C'est ce que je regardais. Course très intense. On va de nouveau aller chercher l'Alpine à la réaccélération. Pierre est également chaud devant pour gagner une position. Il va tenter l'extérieur sur la Williams. On passe en 7. Oh, dans Cops. On est vigilant hein, sur les pneus. Allez, 7% d'usure. C'est pas mal. Légère surchauffe de l'avant gauche. Mais ici, difficile de voir les choses autrement. On a le DRS. On a le Kers. On a le boost. Allez, on va le chercher, ce mode dépassement. On efface tout d'abord Kvyat. Zhou également. Et on va tirer tout ce qu'on a dans le meilleur moteur du plateau, le moteur Toyota. Et ça y est, ça commence à rentrer. On va de nouveau voir clair dans ce peloton. Et Giovinazzi toujours en piste. Verstappen dans les stands et d'autres. Et on prend le meilleur tour en course. Meilleur tour de ce Grand Prix. Attention à Giovinazzi. Allez, séance dépassement. Est-ce qu'on aura le DRS sur Pierre? Ah, ça va être compliqué à mon avis. Ouais, on l'avait déjà sur Giovi, donc c'est très bien. Voilà, petit passage nuageux au-dessus du circuit. Ricardo 6ème, on n'a pas encore ravitaillé hein, du côté du pilote australien. Alors attention parce qu'une deuxième safety car pourrait opérer. Oh, un petit peu large dans Cops, c'est la première alerte d'excès des limites de la piste. Au niveau du carburant, on est à 2,6, on est bien large jusqu'à la fin de l'épreuve. Pouvoir tout donner hein, dans le moteur Toyota. On avait encore le DRS sur Pierre. Hein. Incroyable. Une seconde de retard par rapport à la Toyota, on devrait voir beaucoup plus clair dans le classement dans un instant. Hamilton qui a été piégé par les retardataires. Et tout le monde ne rentre pas. Il reste une Alpine en piste. Celle d'Esteban Ocon qui était parti. Alors en quoi lui? En médium j'imagine. On voit tout le monde dans les stands. Grosjean, Russell et tous les autres. Meilleur tour pour Pierre. On se bat à coup de chronomètre chez Toyota. Qui va emporter cette bataille très intense. Alors il y a encore un avantage pour Pierre désormais. C'est cette Alpine qui va le protéger, lui donner ce DRS que nous n'aurons pas. Donc Ocon va lui donner un petit peu plus d'air sur cette section, sur la Wellington Straight. Quand même encore Latifi qui est derrière, qui a pas ravitaillé Sainz, qui pourrait aller faire le podium de sa carrière. Hein. Si jamais Carlos Sainz venait à terminer en médium devant Hamilton, ce serait exceptionnel hein, pour le coup. Le pilote de la McLaren. Et ça y est, il va y aller Pierre dans Cops. Oh là 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 là, que c'est chaud. Que c'est chaud. Et là, on voit que Pierre, il est au-dessus. Pierre, il est totalement au-dessus sur le rythme, sur le feeling de la voiture. Ça qui est délicat aussi, c'est que comme on gère l'évolution de notre deuxième pilote, on peut facilement balancer le championnat en notre faveur en arrêtant de lui donner des améliorations, de l'entraînement, du temps de simu, etc., etc. Mais on ne va pas faire ça. On va continuer à booster Pierre. Très important pour le championnat. Constructeur, retour au stand d'Ocon, de Latifi qui va le rejoindre dans la voie des stands d'ici quelques secondes. Et on a un gouffre, les amis, avec le reste du peloton. S'il n'y a pas de safety car avec Pierre, on a quasiment 20 secondes d'avance sur Sainz. Donc on a quasiment la garantie du doublé Toyota. Mais alors, dans quel ordre? Ça, c'est la bonne question qu'on peut se poser. Parce que là, Pierre, il est à 4 secondes 2. Je ne sais pas ce qu'il a bouffé, Gasly, mais... Et sur une autre planète, je peux rien faire. En plus, je suis en mélange riche. Je surconsomme tout ce que je peux surconsommer. Trois tours dans cette épreuve et toujours l'avantage à Pierre qui vient de hisser la Toyota à 5 secondes d'avance. Ça commence à devenir compliqué. Hein, là, d'avoir notre mot à dire pour le résultat final de la course, à moins d'une défaillance technique. Pierre va aller remporter ce Grand Prix de Grande-Bretagne. On n'a plus de DRS, on n'a plus de RS, on n'a plus rien pour nous défendre.
ça ne sert même à rien d'aller taper dans le moteur pour aller chercher une voiture que je ne rattraperai pas. Ah désolé, hein, mais 6 secondes en 3 tours. Vu l'état des gommes, vu l'état de la course, ça ne sert à rien. Derrière, on va retrouver un excellent Carlos Sainz qui va signer une 3e place sur le podium à 18 secondes de Pierre. Non, à 18 secondes de nous. Oui, oui, il est plus que ça. Il est à 25 secondes, Pierre, d'avance. Ensuite, Jack Aitken qui aura fait le week-end de l'équipe AlphaTauri en l'absence de Romain Grosjean aux avant-postes. Et ensuite, eh bien, le retour d'un condamné du samedi, Max Verstappen, qui va se hisser au 5e rang pour le moment. Après, derrière, ça devient difficile de voir les choses changer puisque derrière Verstappen, il y a un grand écart. Vous le voyez sur la minimap avec une Mercedes, celle d'Hamilton. Ouais, 3 secondes de pénalité pour excès des limites de la piste. Il faudra être vigilant. Alors évidemment, on ne va pas laisser filer 17 secondes par rapport à Sainz, mais on vient de se faire rappeler à l'ordre. C'est vrai que j'ai peut-être été un peu trop gourmand sur les track limits dans ce Grand Prix. 2 tours de course. Pierre qui va nous ravaler, non pas 7, mais 8 points au classement. La saison est loin d'être terminée. Reste à voir maintenant qui va avoir le dernier mot à l'issue du Grand Prix qui conclura cette saison. Bien difficile de dire qui de Pierre ou de nous aura l'avantage, puisque là, Pierre a un beau regain de performance. Et si on peut caler l'IA sur une performance plus importante, Gasly avec un niveau de 98 en réputation n'est tout simplement plus touchable dans certaines conditions. Alors en début de course, on peut jauger. On verra en Hongrie, hein, circuit beaucoup plus sinueux. Retour de la Hongrie, hein, pour la première fois depuis la première saison de My Team. À Francorchamps, là aussi on aura notre mot à dire avec une Toyota qui aura des arguments pour se battre face au Mercedes et surtout face au Red Bull. On va renouveler le contrat de Pierre à l'issue de ce Grand Prix de Silverstone qui passe le cap de la mi-saison et on pourra se concentrer sur le développement de l'auto et de l'équipe jusqu'à la fin de cette dernière année de My Team. Et Pierre qui, comme un dernier coup de marteau, un coup de massue, vient de rentrer le meilleur tour en course. De nouveau, Gasly le plus rapide. Dernier tour du Grand Prix, on va essayer de ne pas casser l'auto, de la ramener. Et surtout avec 15 secondes d'avance, on va pas se tracasser d'une éventuelle pénalité. Deux tours d'essence restant, c'est largement suffisant pour rallier l'arrivée. En tout cas, niveau stratégique, derrière, on aura eu des surprises et des petites équipes vont marquer des points. Je pense à AlphaTauri qui fait un joli carton plein. Des illusions pour Mercedes aussi au classement constructeur qui va encore faire grise mine. Pierre qui ne va pas tarder à aller remporter ce Grand Prix. Il va sortir de la chicane de club d'un instant à l'autre. Victoire et meilleur tour, une 24-365. Ouf, et en regardant mon chrono, je manque de louper mon freinage. Victoire de Gasly, doublé de Toyota, encore un cette saison. On est au-dessus du lot, c'est certain. Mais qui de nous deux va l'emporter ? Et voilà qui met fin à un nouveau week-end de Grand Prix incroyable. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Voici les trois premiers qui avancent vers le podium. Bravo à eux car ils nous ont fait vivre une journée de Formule 1 exceptionnelle.
Les résultats du Grand Prix voient Pierre Gasly triompher avec le meilleur tour, 8 points d'avance récupérés par le Français. On se retrouve deuxième avec une avance conséquente malgré les 3 secondes de pénalité. Carlos Sainz complète un magnifique podium. Derrière, Verstappen qui revient de loin et Valtteri Bottas qui revient la 15e place initialement, 6e à l'arrivée. C'est plutôt un bon bulletin pour Valtteri. Leclerc s'est maintenu 7e. Grosjean, alors AlphaTauri là qui met des gros points. L'Alpine d'Ocon et Lando Norris qui va réussir à mettre les pilotes britanniques dans une bonne forme puisque George Russell est comme d'habitude à la 11e place. La voiture d'Albon est la seule à avoir abandonné. Si on jette un coup d'œil au classement, l'écart se resserre. 12 points nous séparent de Pierre. Hamilton est loin, certes, mais bon, tout est possible, bien sûr, et ça va se jouer évidemment entre nous deux. On est conscient de cela. Sainz remonte, Grosjean également. Jack Aitken qui rejoint Esteban Ocon avec 10 points. Dans le classement équipe, pas de changement devant. Toyota reste à son avantage face à Mercedes et à Red Bull. L'équipe Aston Martin repasse Ferrari pour le 4e rang. Et AlphaTauri prend un peu d'avantage sur Alpine. Au niveau de la R&D, une seule évolution sera entamée. Elle sera du côté chaîne motrice parce qu'on doit continuer à travailler pour la suite de la saison. 2% supplémentaires, on revient à l'avantage avec ce moteur Toyota. Pas d'autre chose au niveau des activités, bien les événements habituels qui font évoluer et l'écurie jusqu'au prochain Grand Prix. Ce sera donc en Hongrie. Rendez-vous à Budapest pour la deuxième partie de la saison. On a renouvelé le contrat de Pierre Gasly. Les 17 millions restants, ce sera pour l'évolution des différents départements à l'usine. Merci à tous et rendez-vous en Hongrie.